Maman, qu'est-ce qu'il mange ? Il mange du riz. Et qu'est-ce que c'est le riz ? Ce sont les graines de la plante du riz, une céréale très appréciée et répandue dans le monde entier. Et comment on fait le riz ? Le riz est une plante très spéciale. Il existe différentes manières de la cultiver. Dans tous les cas, il faut beaucoup d'eau qui normalement coule tout doucement sur une couche de quelques centimètres dans les champs, appelée rizière. L'eau est réchauffée par le soleil et garde les plantes délicates au chaud pendant toute la nuit. Autrement, elles ne supporteraient pas le grand froid. Pour faire des rizières, la terre doit être parfaitement en plan. On utilise des tracteurs très puissants dotés de grandes lames qui utilisent une lumière rouge appelée rayon laser qui les aide à conserver la bonne position de travail. Après, pour cultiver le riz, les tracteurs doivent, tous les ans, labourer la terre, puis, avec un outil spécial, la rendre toute souple pour que les plants puissent naître et pousser, mais compacte sur le fond pour que l'eau reste le plus longtemps possible dans les champs. Après, les rizières sont recouvertes d'eau et la terre devient boueuse. Pour semer les graines et épandre du fertilisant, soit le nutriment des plants, l'on équipe les tracteurs de roues spéciales étroites avec des pointes qui coupent la couche de boue et s'appuient sur la terre dure, compactée par le labourage. Ensuite, il faut attendre la naissance des plants, aidés par le soleil et l'air respiré pour qu'elles poussent bien. Alors, on enlève l'eau et on passe à la récolte à l'aide des moissonneuses-batteuses qui ramassent les épis et séparent les graines. Enfin, les graines sont raffinées, blanchies et prêtes à être cuites et mangées. Youpi, j'ai tout compris. Je vais aller labourer un peu.